Voir ta scène de crime devant toi. Tu vois ta scène de crime qui est en train de se faire devant toi. Et ça, la seule chose, qui peut être maintenant, en tout cas, la tique. Je crois qu'à ce moment, peut-être qu'il y a. Accueilli, affronté, moto. Mais malgré cette scène de crime dont elle a assisté, elle a. Voilà pourquoi, Tata Nengwa, soyons fermes dans ce camp. Chaque jour. Le rejet, les insultes, les calomnies que tu vis au quotidien ne sont pas les mêmes que la vie de toutes les fois que tu es devant ton combat à toi, pense à Yakipavita. Demande à Yakipavita. Vu que tu as été gagnante, que tu es arrivée au bout, moi aussi je dois vaincre. Ça doit être notre prière du quotidien. Vu que vous avez gagné ce combat, moi aussi je dois gagner ce combat. Car. Car peut-être que ce jour sera peut-être ma dernière venue en tant qu'humain. Pour qui te dit que prochainement on s'incarne le rôle de. Parce que peut-être que prochainement tu ne seras pas incarné en tant qu'homme. Prochainement vous allez incarner en tant qu'entité. Peut-être que dans une vie future tu seras incarné en une bestiole. Mais le rôle de chien c'est pour s'incarner dans l'école de la monde. Mais vu que cette période tu étais incarné en tant qu'homme. Il y a qui veut t'aller loin ici bisou. Il y a qui pas vite à te dire aujourd'hui ceci. Tout ça là, tout ça. Faisant son travail. Dans les difficultés. Dans les souffrances. Tenant ferme son travail. En menant jusqu'au bout. Cela produira une joie immense dans le cœur. Car en 1706. Il y avait beaucoup de gens qui étaient avec Yakipavita. Mais ils n'ont pas porté son combat. Mais le lendemain 2019. Mais aujourd'hui en 2019. Regardez tout autour, il y a plein de Yakipavita qui sont debout. Nous disons que nous sommes levés avec force, fermeté, afin que nous puissions emmener un bien le combat que Yakipavita nous a légué. Tata Nengwa, voilà ce que nous avons à vous dire. Aujourd'hui, en ce jour, ce qui relève de Yakipavita, que Yakipavita demeure éternellement dans nos cœurs. Yakipavita, référence na biso. Qu'elle soit notre référence à toujours. Quand tu arrives au bout, quand ça Yakipavita. Parce que elle, quand elle est arrivée à bout. Yakobaki. Elle est arrivée comme Yako ça. Moi, la Romi na souka. Elle te dira, mon enfant, comme tu es arrivé au bout. Et ça souka te continue. C'est pas la fin, continue. Balomoke. Yemo. Balomoke. Yemo. Allélo. Mojo. Kupamu. Mojo tiyo. Mwe Yakipavita e. Eza la te malabiso e. Yakipavita maboko makashi. Balogoke, Balogoke, Matoto, Tokomina Tamboyo, Toto Navati Susu, Mate en Abiso, Debiso Banso, Tosubobo, Lolingue, Yalo Sant. Nous arrivons au moment où nous remercions encore nos prédications d'aujourd'hui. Nous tous nous allons prendre la position de demande, ainsi faire la prière pour remercier notre prédication d'aujourd'hui. Thank you.
Nous sommes arrivés presque à la fin, mais comme on lit toujours partout, il y a des gens qui ont déjà précédé avant nous. Et entre autres, nous avons notre Koko à Lingala, comme on dit, donc notre grand-père dans le combat où nous menons. C'est l'un des personnes qui ont commencé ces combats ici en Europe depuis des années. Donc on va lui donner la parole. Il a quelque chose qu'il avait réservé pour nous. Matondo. Bankamouke. Kembo. Balongoke. Kembo. Balongoke. Kembo. Matondo. En fait, tous les amis de Kolobate, Bambate, Mbongese Kei. Nous n'avons pas beaucoup à rajouter parce que le temps est déjà parti. Nous remercions à tous et à toutes qui sont venus présents ici aujourd'hui. Et que l'Istanga Vovamu, tout l'Istanga Oyo, Panapolina Moussabaïndo Oyo, Nébatoubaké, et aliénation. Igeta, comme on a dit, le centre Vovamu, c'est un centre de réveil, de réveiller les Africains qui sont aliénés, d'éveiller les Africains qui sont aliénés. Nélango, tu sais vraiment que Bakaba. Nous demandons à tous ceux qui sont ici présents et que le 27 juillet, il y aura une grande conférence, un grand milieu qui va se dérouler à Bagnolet, de ne pas arriver en retard comme aujourd'hui. Donc ça va être évité à midi, à 13h pardon, mais on demande à tout le monde d'arriver à midi. C'est là où on va parler des Akipavita, des Nengwanzinga, de toutes les dames, comme on dit en français, les Nengwa qui ont donné leur vie, qui ont commencé le combat bien avant nous en fait. Maintenant, donc, tous les amis qui ont combattu, moi tout ça va historique, mais après, milieu, il y a eu l'année, tout ça, la nuit, 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 tout ça. Nous n'avons pas beaucoup à rajouter parce que l'état est déjà passé. Donc le 27 juillet, durant les Miloulous et après les Miloulous, on va à parler, on va discuter de beaucoup de choses qui vont se passer là-bas. Maintenant, après ça, il y a une interview qui est réservée avec la presse qu'on a invitée. On l'a dit en français. Donc ça, mon message, la presse, pour la hauteur, c'est de on a l'impression d'avoir net, de façon que Mamie Leng ne peut pas le 27 juillet au Wana. En tout cas, il y a mon colonel pour la biseau, net, mon colonel Lélo. Je suis content, mais maman Soussou, pas amplifiant Soussou pour mon colonel Wana vraiment. Et ça, vous m'entendez, net, il y a le bandé pour Soussou, il y a une histoire avec le pavitaté. Il y a le basse-tout qui, bah, il y a un pavitaté, bah, il y a un pavitaté, mais bah, comprendre mon Lélo. Mais ceux qui ont besoin de faire un biseau, mon colonel, bah, il y a un bandé gagné. Donc, c'est un peu ma gueule, Nassima Miloulou. Nous
Donc à la fin de l'émission d'aujourd'hui, Bandeko Balandi Tokutani Lelo na centre Vouvamo ya Vitry et Sikanini Milulu Minene et Salami pour nakukanisa mémoire ya Yaya Kimpavita o ya kufaki mokolo ya le 2 juillet 1706. Lelo et sali 313 ans jour pour jour. Toeko sanganana bandeko ya Vouvamo Tokutani Nambuta Ntilulu Mayoyo Azali na kati ya ba oyo bayaki koyangela milulu ya lelo tokutuna ye motuna ya koyeba eloko nini e, ye atombeli biso na mokolo ya lelo na tina ya bayindo po na kukanisa mémoire ya Yaya Kimpavita. Matondo mingi na kopesa biso maloba ya solo mokolo mwa lelo ya ni mokolo monene po na biso bayindo. Na mokolo yango ezali ne le 2 juillet. Le 2 juillet ali mokolo oyo esengeli ekita ozala biso nyonso ekolandela manaka bapaya eza na kati ya bohumbu ya bapaya mwa tosanga na le 2 juillet ezalaki kaka te ao tosali tosanga lelo le 6 juillet. Nous sommes réunis en l'honneur de Yaya Kimpavita, car cette dernière a été, selon l'histoire, a été brûlée vif un 2 juillet 1706, d'où on se joue aujourd'hui, nous fêtons et nous honorons. Oui, objectif il y a journée Oyo et Zaline. Matondo, mukolo lelo yo la kisabisote. Tumani ni Kimpavita bundaki. Mukolo ngela. Msala oya ngela kina 1706. Mukolo ngela kabamba. Bamba te alia na soma ntale ya kimini kwa msibaba baina. Mukolo yike aya kufungwa la biso. Alo mukolo tina kata. Mukolo Alors, ce jour, nous étions là pour commémorer Yaya Kimpavita, son histoire, comme j'ai dit tout à l'heure, qui a été brûlée vif. Donc, nous poursuivons juste son combat en ce jour. Oui. Bon, Toyoki Lisusu Mokolo, il y a le 27 juillet, Tozali, la conférence, mon aîné, il y a. Lingomba vuva mona banyole kuna ekozala eloko nini ekosala mwana mokolo ya le 27 juillet kuna. Ah Matondo, le 27 juillet mokolo oyo tobengisi association nyonso bakombata nyonso pe bandeko nyonso bazobunda boyindo pe moyindo nyonso obabengi sans exception quoi moyindo nyonso sans exception tokutana le 27 pour total sabango mosala nini yaki basalaki pe bamama valeur ni baesengeli bazala na yango oyo bazala na yango te. Le 27 juillet, une conférence sera donnée en l'honneur de nos héroïnes, dont Yaya Kimpavita et les autres Lingua qui ont combattu pour la race noire. Donc il y aura plusieurs thèmes et nous vous invitons tous à venir découvrir comment vivaient nos ancêtres, dont nos héroïnes, nos reines, tout ça. Oui, Ndeko, Tilulu Mayolo, pona kokende singa molaite na lobili lobanini ya suka okoloba pona bandeko bayindo nyonso na tina ya mokolo ya lelo na na tina ya mokolo ya le 27 pona kosukisa milulu na biso ya lelo. Matondo na biso liloba suka ezalaka te liloba ya bokabwani ya bokabwani ingeta liloba suka ye mokolo oyo tozwa mokiamoli liloba bokabwani mpo ya mokolo mwa lelo ingeta liloba ete tobengisi bandeko nyonso tobengi bandeko ya kongo diantotila tobengi bandeko ya asociation nyonso tokoloba mpo boza ebele mwa te bana motanga nyonso ezali te soka bosami bao tozali contact o tokutanaki na bino mpo na kokumisa Yaya Kimpavita tolobela Yaya Kimpavita le 27 juillet ma tolobeli Yaya Kimpavita lelo mwa extrait bokutanisa bandeko ndenge nini souffrance Yaya Kimpavita monaki lolenge nini akutanaki na kokoso mo le 27 nde tokolimola soko mobima na yango nde tokopesa mpe ngonga na ndeko nyonso akutuna motuna asexprime aloba mpe mokolo ye wana na bandeko nyonso bakoya ndeyango tokopesa matondo mingi na bandeko nyonso bazolanda biso
Parce que vous avez un message à Bissot, vous avez un télé 27, vous avez un bagnolé. L'adresse, comme la bien, c'est Wana, pas mal de toi, mon amour, un bagnolé, et le centre, vous êtes à Paris, vous avez un fiscal, vous avez une formation, vous avez un fiscal, vous avez un fiscal, vous avez un fiscal, vous avez un fiscal, vous avez un fiscal. Matondo Mboutan, Silulu Mayoyo. Alors, bonjour à tous. Donc, vous êtes tous invités dans le cadre de notre conférence donnée en l'honneur de notre héroïne qui ne peut pas inviter les autres. Nous invitons tout le monde. Il y aura Congo Diantotila et toute autre association. Nous ne pourrons pas tous les énumérer ici. Mais tous les Noirs, nous vous invitons tous à venir découvrir nos rois, nos reines. Nous vous invitons tous. Il y aura un temps de questions-réponses. Il y aura des intervenants. Vous êtes tous invités. Nous attendrons les bras ouverts ce jour-là pour vous accueillir. Donc, le 27 juillet à Bagnolet, vous aurez toutes les informations nécessaires relatives à cette conférence qui sera donnée par les Silumou. Matondo, Matondo, Yaya, Ingeta, Ingeta. Matondo, Fumimbamu. Ingeta, Ingeta.